Good morgen, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui l'Irfoua, Trefel, Dov, Ben Yehudit, Betor, Shachol, Israël, ainsi que le Lunishmat, avant Prayer, Norber, Ben Fortuné, Mazal, Ideda, Betester, Ekovin, Simelchana, Machlouf, Micha, Ben Asuda, et Nachman, Yosef, Ben Nachum. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Mesart Ketut, Perik, Vav, Mishnah, Zain. Amafrish, Chatato, Vamet, Lo Yeviena, Beno, Acharav, Velo Yeviena, Mechet, Alchet, אפילו על חלב שאכל אמש לא יביאנה על חלב שאכל היום, שנאמר קורבנו על חטאתו, שיהיה קורבנו לשם חטאו. On parle à présent dans notre Mishnah d'un korban khatat qu'on ne peut plus apporter sur la faute initiale pour laquelle on a transgressé, pour x ou y raison comme ce qu'on va voir dans quelques secondes. Et la question est de savoir est-ce que je peux utiliser ce korban pour autre chose. Et la Mishnah va me dire que tu ne peux pas l'utiliser, il faudra le laisser mourir. Un petit rappel quand même d'une chose qu'on avait étudiée longuement, dans Tumura notamment, dans Ketut on l'avait évoqué, quelque chose qu'on a vu souvent dans le Seder Kochim, vous rappelez du moyen mnémotechnique Vetimna, Aita, Pilegesh, un peu dans la Torah. Vetimna, c'est les 5, il y a 5 lettres, en fait c'est les 5 Korban Khatat, 5 situations de Korban Khatat, où il faudra faire mourir le Korban. C'est-à-dire, on se retrouve avec un korban khatat qu'on ne peut plus rien faire avec lui, eh bien, la halakha nous fixera de le laisser, de l'enfermer dans une pièce et de laisser mourir de faim. Metimna vlat khatat murat khatat metu bealea, c'est celui qui nous intéresse. Metimna nitkapu bealea et aïn c'était avrashnata, elle a passé l'âge. Parce que le korban khatat, on est limité dans l'âge du korban, je crois à 2 ans, si je ne me trompe pas. Bachnata, je ne sais plus. Es bachnata, je crois que c'est plutôt 1 an. Je ne sais plus exactement, nous donnant que je me trompe, je préfère pas dire de bêtises. Qui ça aussi ira, je crois que c'est que maintenant. Et en tout cas, il y a maintenant, donc on parle exactement de ça. Amafrish Ratato va mettre, celui qui a désigné un korban ratat, et il est mort, l'ahmou. Qu'est-ce qu'on fait? Lo yeviena beno acharav, son fils ne pourra pas l'apporter à sa place. Le Bartanora précise, on ne parle pas juste que. Il faut inclure en fait deux choses. Une halakha évidente, et une halakha qui est essentiellement le cri douche de la Mishnah. Une halakha évidente, c'est tout d'abord, quelqu'un qui est mort, on ne peut plus faire d'expiation pour lui. Ouais, donc, si le père, il a transgressé Shabbat, Beshogeg, et le pauvre, il est décédé ensuite le dimanche, le lundi, il n'a pas le temps d'apporter ce korban khatat. Son fils ne pourra pas apporter un korban khatat pour le père, même si le père, il avait déjà désigné un korban khatat. Ça, c'est une évidence, la Mishnah n'en parle même pas. On parle d'un cas un peu plus aiguisé. On parle du cas où le père avait désigné un korban khatat. Et il est mort. Et le fils, il a transgressé la même faute à son tour. Alors là, vous allez me dire, ah, c'est bon, c'est un korban khatat qui a été pris pour une transgression de Shabbat, il a essoré un torchon. Le fils, il a fait exactement la même chose que son père, il a essoré le saint torchon de Shabbat, et maintenant il va apporter ce même korban khatat. Sur ça, la Mishnah me dit, non, tu ne peux plus l'apporter. Korban khatat, c'est personnel, mais plus que ça. Même pour toi-même. Pour la même faute que tu as transgressé 2 fois, que tu t'es fait imposer 2 korban khatat, tu ne pourras pas apporter le même korban khatat. C'est ce que la Mishnah continue en me disant Belo yeviena mechet al chet. Et tu ne pourras pas l'apporter même pas d'une faute à l'autre, même si c'est la même personne. On ne parle plus du cas où il est mort, par exemple. Afilu al chelev shachal emesh lo yeviena al chelev shachal ayom. Même sur une graisse interdite qu'il a mangée hier. Lo yeviena al chelev shachal ayom, il ne pourra pas l'apporter sur un chelev, sur une graisse interdite qu'il a mangée aujourd'hui. C'est-à-dire, on parlait bien sûr qu'il y a eu prise de connaissance au milieu. Hier, j'ai fait une erreur. J'ai mangé du chélev, une graisse interdite. Le soir, j'ai réalisé mon erreur. Je me suis dit, ça y est, demain, je n'ai jamais de mon korban khatat. J'ai désigné un animal. Et puis, dans l'après-midi, je suis encore une fois retombé dans le panneau. Et j'ai remangé une deuxième fois du chélev. Une autre graisse interdite. Donc là, maintenant, puisqu'il y a eu Yédia au milieu, il y a eu prise de conscience. Eh bien, il y a eu prise de conscience. Ça a. Il faut que chaque consommation requiert d'apporter un korban pour se faire expier. D'accord? Eh bien, je ne pourrais pas utiliser. Si j'ai déjà désigné le korban khatat pour l'apporter sur la faute, sur le relève d'hier, je ne pourrais plus utiliser ce korban khatat pour la faute que j'ai fait aujourd'hui. Pour quelle raison? Chez Neymar, comme nous dit le Pasuk, korbano al khatato. Son korban sur sa faute. On insiste beaucoup à désigner, à bien marquer que c'est le. Ce korban-là sur cette faute, c'est très personnel et très spécifique, très désigné sur un seul animal,
sur une même faute, chez Corbano le Shem Chato, que le Corban prend le statut de sa faute et il ne peut plus expier une autre faute. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une réplique de Sacha. Tout, c'est